say. I'm Captain Schiff, and I've just discovered this move. It's just essential I may play it before someone else does. I've ruined the flag. Keep red lights and then you plant the flag. But royal protocol requires me to stand to attention and salute whilst it's being raised. Can't do two things at once, I'm afraid. So if you can retrieve it from my travel case and hoist it for me as I stand here, well then, hey presto, this whole place becomes the property of King Greg. Et voilà. Ah. Good show. Now here's the flag, Pearl. Go ahead and mount good old King Greg's colors. I should warn you, these jolly foreigner types are prone to take umbrage when you discover somewhere they're already living. Not that drinking mud is much of a life, what? Good job for them I showed up. Hoist the flag for King Greg. Huzzah! Huzzah! There she blows. I just have to stand like this until it reaches the top. Oh, mon Dieu. If in the meantime any of the locals should... I'm not the sticking again! Piss off, mate! This is our rock! Would you? Yes. Oh. Hoist, would you? I'm trying to keep it nice and beautiful. Ah, oh, my arm, so painful. Not sure. I don't hold it. Assist me if you would. Ah, faut l'aider. Assisting item? Well, thank goodness for that! Oh. Finally put my arm down! How can you hear your cry? I know it's going to be perfect! The property of the Hurricane! Hurrah! Oh, you seem to have made rather a lot of mess. Well, not to worry, these things tend to clear themselves up in the end. Well, mustn't loiter, there's plenty of other undiscovered places out there waiting for me. Goodbye! Goodbye. Sous-sol 13. Tiens, on va le faire sous-sol 13. Déjà là, trouver. C'est où le sous-sol 13, merde. Attention à la marche. Non, c'est pour retuer Felicity. Ah, voilà. Je me disais aussi. Et on va pouvoir récupérer un laser qui a aucun élément. Même normal, en fait, ça n'existe pas. Il y a rien qui résiste contre ce laser, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, il n'est pas très, très, merde, très puissant, mais pratique. All right. I'll admit, I heard stories about sub-level 13 in the old doll factory that made me shiver. But that didn't stop me from sending me mate Harry to,
recover a space fold inverter I got wind of. He's as smart as they come, but not that Andy with a gun. He just radioed back some twaddle about ghosts and hauntings and, I'm gonna die. So, I'm sending you in to find him. Get into the old doll factory, find Harry and my inverter, and get out. Bish bash bosh. Plus facile comme ça. Newsflash, this door's being a huge pain in my digital. Je sais pas pourquoi chaque fois il y a ça. There's a jump pad nearby I can activate. Let's use that to get in. It was probably put there by scavs who use pads like that to sneak in and out of Concordia. Trouble. Filthy wire chews are everywhere. I hate them. Plus, it looks like local scavs have set up shop. Push through here and find me a console to plug into so I can find out what's ahead. And kill me some bugs while you're at it. I'm amazing at this. Yeah, I got a badass. Et bientôt. Tu m'étonnes. One down, one up. You don't know my name. Oh, we did it, folks. Yeah, we did it. You need a sweater? Stay put. On y est presque. Give me another jack. Non. Are you gonna let whatever killed you get away with it? Hey, see how you feel with watching me. You're promoted. Who needs a hero? On va pas prendre le coffre, rien, parce que je m'en fous un peu. Oh, on y est presque, putain, c'est loin. Pourtant, je vais vite. Donc là aussi, le sous-sol numéro 13, là, il n'y a qu'un seul signe de Volt. Par contre, faut que je me rappelle où. Descending. Be aware.
Ah, ok. Là. Don't worry if it's dark as coal dust. I reckon. Est-ce qu'on peut... Non. Hop là. On arrive. Slow him down. I barely made it out. I've modified the frequency of E-gun so he should be able to hurt them. Trouble is, this place is also infested with talks. Hopefully I can wake them out in here. When I find that inverter, you're paying me double. In the world just got 25%. Good old Harry. Always the joker. Well, you didn't find my inverter, but you found my mate. No denying that. Et voilà. I know, and you... Harry, rest his soul. Ah, le E-gun. Pas très puissant, mais... Ah, voilà, il... Rien résiste, en fait, contre ça. C'est un Maliwan, hein ? C'est quoi ? Ouais. Since you finished the job, honor his memory, see ? I'm updating your echo with the most likely place you need to search. Take that E-gun thing and keep it handy. Off you pop. I said Harry, because he knows his science stuff. Could spot an inverter a mile off, clever so-and-so. So if he says his gun can take out ghosts, I believe him. Donc on se retrouve pour Dead Space Borderlands. Alors, on va voir que... comme je disais, les dégâts de ce truc-là... sont uniques et on n'a aucun élément. On va voir ça, on va voir que quand on fait des dégâts sur des... Bah déjà on peut tuer les fantômes, déjà c'est bien. Comme Ghostbuster. Et on voit aussi que les dégâts en fait sont blancs, comme si je tirais avec une arme à feu sans éléments. Quoi. Voilà, donc rien résiste cette arme. Quoi. Par contre, voilà, elle est pas plus efficace. Par exemple, on sait que l'électrique c'est plus efficace contre les boucliers. Bon, là, il y aura pas de trucs comme ça, mais personne va résister cette arme. Hein. She screamed, disappeared, some nutty Torx attacked, smashed a damn travel node to pieces. It all happened so fast. The real tragedy is now I have to finish my shift alone. Nice one, Schmidt. That sounds horrible. And sort of cool. Yeah, right. Keep looking. There must be another clue here somewhere. Help me. Oh, je crois qu'il y avait un truc devant moi. Fantôme, il y a que moi qui peux faire des dégâts pour l'instant, fantôme, avec cette arme. C'est bon. Le E-gun.
Accident report 16A, supplemental. So, yeah, ghosts. Harper keeps whining about glowing half-women, wandering around moaning. We keep getting these weird power outages, too. So, practical upshot, I quit. Consider this my resignation. Now, I got a theory. Find the main fast travel control system, and then we'll be laughing. Yep. Locked door, eh? Wait a minute. J'aime bien l'ambiance ici. Ça change un peu de du truc drôle sympa quoi. C'est ça qui est bien dans Borderlands, c'est qu'il y a quand même plusieurs ambiances. C'est vrai que bon, c'est tout le temps du shooting et tout, c'est drôle et tout, c'est fun. Mais c'est vrai que les ambiances sont assez présentes et là ça change un peu quoi. Bon, c'est pas oppressant genre Dead Space ou Silent Hill, hein, ça va, c'est pas ça. C'est pas ça, mais quand même voilà, ça change, l'ambiance c'est pas la même. Et je trouve ça à chaque fois que c'est bien réussi. Un DLC que j'aurais bien voulu jouer, c'est dans Borderlands 1, le jeu que j'ai pas joué. C'est l'île de Dr. Ned, Z. Apparemment, il y a plein de zombies, tout ça, il y a des monstres et tout. Donc, ça j'aurais bien voulu jouer. Il n'y a pas ça dans Borderlands 2. Faut un peu plus de puissance, les gars. Les jacks peuvent rien faire, hein. C'est juste pour me faire des bonus. Hop. Hop. Et hop. Deux. Ah voilà, 3 sur 3. Et là, coffre. I'm a flipping genius. I reckon Schmidt was trapped between states, constantly being rebuilt by a system that didn't understand the difference between a human and a talk. That's quality software engineering for ya. Still, the important thing is, there's my flipping inverter. Grab it and let's get you out of there. Hop là. Time to make a sharp exit, I reckon. Makes you feel right, Chipper, doing a good deed for the day, doesn't it? Get back here with that inverter of mine and I'll pay ya. Of course, you could use it to fix the fast travel node, but why do you want to do that? Donc, si on fixe le fast travel, on a. Voilà. On le libère en fait. Ou on la libère plutôt. Thank you so much. I was trapped in there. Here's something to say thank you. Voilà. Et maintenant, on a en récompense le E-Gun. C'est plus une arme de quête, c'est vraiment l'arme, quoi. Donc, on va le tester un peu. Voir comment ça se passe. Contre les monstres et tout ça, on va voir si c'est vraiment efficace. Mais bon, les dégâts sont pas énormes, mais voilà, c'est vrai que on va dire que pour les... Je cherche une utilité, hein. Qu'est-ce que je pourrais... Je dirais que sur les monstres moyens, les trucs pas trop puissants, oui, le gun est bien parce que c'est... On tuera vite en tout cas. Peut-être avec Wilhelm, c'est... Ça vaut peut-être le coup de l'utiliser avec Wilhelm. Car... Ah, j'ai un doute maintenant. Oui, c'est un laser, donc... oui, non. Non, c'est juste les dégâts qu'ils ont aucun élément, c'est donc... mais sinon, c'est un laser, c'est un type laser. Donc, tout ce qui est... tout ce qui augmente les dégâts des lasers, ça va marcher, quoi. Donc, voilà, il est pas pourri, hein, non plus, hein. Ça va, je te tue assez vite, hein. Et là, c'est sans... sans buff, là, sans... Sans skill qui s'active et tout. Enfin maintenant si, mais le premier non. Donc voilà, il est pas nul non plus. Mais peut-être avec Wilhelm ça vaut le coup de l'utiliser, ouais. Hmm.
Donc maintenant on a fini ici, hein. C'était cette petite partie. Pareil, on n'a pas besoin d'y aller dans cette zone. Newsflash, this door's being a huge pain in my digital ass. There's a jump pad nearby I can activate. Let's use that to get in. On n'avait pas besoin d'y aller. Put there by scavs who use pads like that to sneak in and out of Concordia. Non, on va faire le tour. Yeah, that's right. It's a badass, badass Jack. Maybe the body double program wasn't so crazy. Là-bas, c'est là-bas. You're promoted. There, other Jack. Putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est là. Your sacrifice is appreciated. Est-ce que... Ah non, parce que je viens de zoner de la zone 13, donc je vais réapparaître à la zone 13. C'est my own. Non, pas là, là, là. De la faire à l'envers, cette map, elle est un peu... C'est un peu la confusion. Tiens, maintenant qu'on est à 10 buffs, on va voir un peu les dégâts que ça fait. Pas mal. Pas mal, ça vaut. Ouais, comme je disais, je pense qu'un Wilhelm avec full upgrade sur les lasers, je sais qu'il a au moins 2-3 skills qui augmentent les dégâts des lasers, que des lasers. Je pense que ça vaut le coup de l'utiliser, celui-là. Ah. Je pense que ça vaut le coup. Et en gros, ça se ferait une arme universelle à utiliser pour tout et n'importe quoi. Sans avoir besoin de changer d'arme, quoi. C'est pas genre on change pour détruire le bouclier, puis après on change pour le feu, parce que c'est... C'est contre de la chair ou quoi que ce soit. Non, là on garderait la même arme pour tout. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Parce que... Ah oh, bah non, on doit faire ça, ok. Ok, mission principale, wouhou! Doing. C'est parti. Après c'est vrai que sans buff, bon elle est pas top contre des... Par exemple les soldats de Dahl sont assez résistants. Mais après, je vais essayer de rester un peu loin pour qu'on voit les dégâts, que les Jack les tuent pas, mais je garde mes buffs. Bon la précision est pas... C'est pas ça hein. Mais c'est un laser aussi. On va voir un peu. Ah, il y a du résist quand même, du résist qui apparaît, mais est-ce que ça résiste vraiment, ça le truc? Pas l'impression. Il y a le mot résiste, mais j'ai pas l'impression que ça fait... Que ça me réduit les dégâts en fait. Ça reste quand même assez élevé quoi. Donc bon. Les dégâts restent assez élevés. Ouais, ça fait mal, hein. Ah, c'est une bonne arme. C'est une bonne arme à utiliser. Comme je disais, ça sera un bon truc pour avoir pour Wilhelm. Hop là. Là j'ai plus les jacks, hein. Donc bon, je peux pas dire quoi. Ouais, ce serait une bonne arme pour Wilhelm. Une arme à garder si jamais on en a besoin quoi. En gros. Oh, welcome to the
access tunnels. Had to shut them down a while back because of some sort of viral infection. I'm sure you'll be fine, though. Just don't, you know, inhale. All done. Damn it. Putain, ça tue bien quand même. Ultimate badass. Eh, qu'on a contre un... Pas mal. Pas mal, je dirais. Ah, je dirais vraiment... Ouais, bon là je rectifie encore ma pensée sur cette arme. Vraiment pas mal, parce que pour tuer un badass comme ça, aussi rapidement... En tout cas, on va le changer parce que voilà, moi je suis pas trop dans les trucs là, mais ouais, ça vaut le coup. Je conseille de le garder, enfin d'en garder un, en tout cas quand vous le débloquez, de le garder parce que je pense que ça peut aider pour certains combats. Par exemple, si vous n'avez pas de bonne arme électrique, ça vaut le coup de le garder pour détruire les boucliers rapidement. Voilà, le mieux, il y a beaucoup de zombies, machin, donc c'est pas mal d'utiliser des armes à feu. Par exemple, les super jacks, les badass jacks vont défoncer tous les monstres parce que leurs attaques deviennent feu. Et ils ont un casque aussi. Donc à chaque fois qu'on entend boum, c'est le casque qui saute en fait. Et après on peut leur viser la tête. Atta boy, Jack. Ah, je suis bloqué. Hop là. Guns, glorious guns. Let's go. Your sacrifice is appreciated. Welcome to the maintenance area. It's not done yet. The central complex is occupied by a doll, but it's the only open route to the eye. I'll mark the entrance for you on your map. I'm turning on some worker bots to help you out. Just follow the worker bots. They'll lead you out of the hall. Crash and burn. Ah, bonjour. Au revoir. Donc on a des worker bots, c'est eux là, ils nous aident. Par exemple celui-là je crois qu'il vient juste de mettre le tube en fait pour qu'on puisse sauter. Ah, j'aime bien ce flingue. Je crois que j'ai dû le dire 354 fois. Hop là. You're on your own. Just work your way through the hall, I guess. Who needs a hero? Sabaton! Les Vendelios. Alors, est-ce qu'il y a des signes ici? Logiquement, oui. Veins of Helios. Alors... C'est où qu'on commençait, c'est là? Bah déjà on en a loupé un. Voilà, c'était là. Commence bien. Ouais, tous les jump pads là, il y a des bleus et des verts. Je crois qu'il faut tous les utiliser, c'est un peu chiant parce qu'ils sont un peu dispersés dans toute la map. Un peu casse-couille.
Ah tiens, le worker il a mis le dernier tube. Plutôt sympa. Good minion. Alors, et juste là le symbole, yay. One on fa- oh putain, il y en a 5 là. Putain. Là, ça rigole pas là. Est-ce qu'on peut aller là? Je crois qu'on... Ouais, on peut y aller. Ah non, sinon il y a un mur invisible. Oh, mur invisible! Par exemple, on va voir, on va tester un peu le... On va le mettre à la place du... On va tester le laser sur ça. Est-ce que ça marche bien? Ouais, pas top top non plus quoi. Enfin, là j'avais pas de buff non plus, mais bon, là c'est vrai que sur ça c'est pas... Pas plus efficace que le flingue en fait. Alors... Où es-tu, symbole? Où es-tu? T'es à l'intérieur, je crois. À l'intérieur. Ouf. Ici. Hop. Voilà, là, il y a quelques coffres à récupérer. Mais la plupart du temps, il y a rien dedans. On va juste voir ce qu'on a à jeter, peut-être. Ça. Drop. Drop. Et voilà. Toujours pour notre fil rouge. Toujours pour notre fil rouge de l'émission. Alors, suivant. Putain, il y en a partout de ces merdes. Alors, là. Bon, par contre, il va falloir remonter, je crois. Trouver un moyen pour remonter. Là aussi, on va s'amuser, tu vois. Quoique... Oh putain, la plateforme qui se casse. Là-bas. Hyperion. Hop. Hop, désolé pour ça. Hop. Far qu'on aille là-haut. Ah, je me rappelle plus. Je me rappelle plus.